Chut, le dites pas YouTube. Hey YouTube, on n'a pas fait déjà l'intro. Hein. C'est la première fois qu'on voit le jeu. Ah, The Witch of Sheldon Forest. 22 mars 1335. La nuit dernière, le fils de notre seigneur Raleigh a disparu. L'enfant a été vu pour la dernière fois dans la vallée, dans les vallées à l'est. Alors le seigneur a envoyé ses hommes à la recherche dans les collines désolées. Mais le prêtre de la ville n'était pas d'accord et a parlé de ses visions. « Votre enfant a voyagé à l'ouest » a-t-il dit au seigneur. Malgré tout, Raleigh n'a jamais été un homme de foi et il a ignoré le prêtre. Toi, vous, enfin, de l'autre côté, avez vu la vérité dans les visions. Ils vous ont parlé, elles vous ont parlé. Au matin, vous avez embarqué à l'ouest vers la forêt. La récompense du Seigneur sera énorme si vous êtes capable de ramener l'enfant. C'est en 1335, donc c'est un peu le Moyen-Âge, ça, non, Nécourt ? Ah, elle confirme. Ça, c'est un face 3D, du coup, j'avoue. Une belle petite forêt. En vrai, franchement, l'ambiance est très cool pour l'instant. Alors, je précise que la personne qui a fait ce jeu, on a déjà fait un de ses jeux sur la chaîne, mais je me rappelle plus le titre. Je crois que c'était le truc dans le sous-sol. Avec un monstre à la fin. Il était pas mal. La forêt est très cool. Hein. Franchement, le côté PlayStation est là. Ah. Akab ! Paradis de Mord. Akab ! Excusez-moi, il y a la police qui m'appelle. Dans YouTube, mettez le commentaire. Je trouve que le taboulé est surcoté. Personnellement, je préfère. Et mettez là le nom d'un joueur de foot des années 90. Et là, ça va me paumer totalement. Quand je verrai ces commentaires, j'ai rien calé. Ça va être trop bien. Je pense que c'est le soleil qui se couche à une vitesse ahurissante. Allez, les bleus, on va gagner le foot. Allez, les pieds. Oh, j'ai fait une petite tente. Et j'ai besoin de bois pour le feu. Ça, c'est le moment où on meurt, hein, je vous le dis. La ramasse du bois. Putain de terre, faut que j'aille récolter le bois un par un. C'est bizarre de mettre sa tente si loin du feu, non? Putain, en vrai, au Moyen-Âge, des forêts, ça devait faire peur sa mère, quand même. Nécourt, est-ce qu'ils avaient peur des forêts au Moyen-Âge? Il y a eu un bruit de... Il y a eu un bruit très chelou. Moi, j'aurais peur, hein. Oui, parce qu'on y trouvait des loups, des brigands. Des loups brigands ? On m'a dit qu'il y avait des renards chenapans. Des sacrés pans, sacrés vauriens. Attends, le feu a pris feu tout seul, on est tous d'accord. Il va y avoir des yeux. Ils ont interdit de chercher à l'ouest. Attends, c'est quelqu'un qui me parle, là ? Ou c'est moi ? Le garçon a voyagé dans une vallée. C'est perdu dans le... Et pourtant, je suis là. Bah ouais, c'était une idée de con, non? Maintenant qu'on est là, on peut le dire. Je sens que quelque chose veut que je vienne ici. Bah ouais. Quelle bonne idée, hein. On est juste dans le néant. Ah, mais cette tente est horrible. Je pense pas que ce soit une tente cachuère, hein, je vous le dis honnêtement. Oh putain.
Oh putain, c'est quoi? C'est un feu? Non, c'est un pixel mort sur votre écran. C'est un sniper. C'est un sniper! Mais bien sûr que tu vas aller là-bas, connard. Petite temps de 2 secondes du ménage. Quelle bonne idée. Le moment où le feu va s'éteindre, ça va être génial, bonhomme. Et là, c'est le même feu. Et il y a moi. Au milieu de tout ça, il y a vous, il y a moi. Moi, je vais me... Attends, on voit le feu à travers le... Là, c'est le moment où moi, j'arrêterai de croire en Dieu. Mais c'est une maison. Putain, c'est la maison de la sorcière du cul, ça. Tous les coups. Est-ce que vous êtes la sorcière du cul? Non? C'est exactement ce que dirait la sorcière du cul. Donc vous êtes la sorcière du cul, très bien. Toc toc. Madame la sorcière du cul. C'est un peu vide du cul. Et le mezzanine. Bah ouais, bah on est dans Evil Dead en fait. Yes. Mais je fais pas du tout confiance à cet endroit du cul. Attendez, il y a une clé là. Bon. Quelle excellente idée. Youpi. Mais j'ai pas de lumière. Je vois rien en fait. Yes. Ben je vois R. Ouais. Ah. C'est bien gentil, ma foi. Ah oui, donc il y a carrément un donjon, en fait. La porte a fait un bruit de bébé qui chiale. Putain, mais on est obligé d'aller dans les tunnels du cul à chaque fois, là. C'est extrêmement rassurant, cet endroit me donne du plaisir. Je le sens bien. Honnêtement, je le sens bien. J'ai jamais eu de problème en avançant comme ça, dans une grotte. Qui ressemble littéralement à des boyaux d'une baie. Il y a eu un bruit. Je sais pas si c'est devant ou derrière. Je sens juste que des passes sont en train de me masser. Crouch. Le mot crouch est quand même rigolo. Mais il y a un moment, faut arrêter en fait. Là, on va. Il y avait des. C'est du sang, c'est quoi? C'est du sang, je crois, qui goûte. Les gens, ils nous attirent le regard vers l'avant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un screamer, je vous le dis. Ou pas. Hein. Mais c'est un truc de sacrifice du cul, ça. Je m'y connais, en fait. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé le colosse. Je me suis gorgé du sang de Dieu. Oh, ça a rallumé ma bouteille. Très bien. C'est tout? Je peux revenir chez moi maintenant? J'ai trouvé l'enfant? Je sais pas ce que je cherche. Ok, c'est là d'où je viens. Est-ce qu'il y a une autre porte? Oui. Putain, mais il y a un pont. Non, mais on est dans la Moria, en fait. Putain. Ah, mais il fait jour, on est dehors. Putain, c'est gigantesque, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est grand. Hein. Eh bé.
Ça va pas être facile à chauffer tout ça, c'est moi qui vous le dis. C'est juste un screamer à la fin, c'est vraiment décevant. J'espère quand même qu'on va apprendre. J'espère qu'il y a un truc qui va nous chuchoter dans les oreilles qui va faire. Hey, tu sais quoi, en vrai, c'est moi qui t'ai dit de venir ici parce que je t'aime vraiment bien. J'aimerais bien qu'on soit super potes. Si c'est juste un screamer, je suis un peu deg. J'ai des bruits de moto qui superposent à l'ambiance sonore, j'ai eu peur. Vraiment l'impression d'être de plus en plus petit. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Alice au Pays des Merveilles. Et il y a un côté très cool. J'espère qu'on va devenir un petit rat. Mais attends, quelqu'un est déjà venu ici, ça veut dire. Moi, je pense que ça va être juste un screamer de merde. Je suis désolé. Ouh, c'est grand. C'est quelqu'un ou pas? J'arrive pas à savoir. Pour moi, c'est quelqu'un. Ah non, c'est un... Ouais, la cage a l'air safe. Hein. C'est là où il y a l'enfant. Enfant, tu deviendras grand. Enfant, on a tout notre temps. Appelle, viens-tu à la vie. Déjà, j'ai peur pour toi, je crie. Tu sais pas où sont les clés, par hasard, bonhomme. Hein? Ah non, c'est pas... Ah, c'est peut-être là. Ah, j'ai genre pas le droit à la lumière. Okay. On va commencer par ceux qui sont plus loin. Que je me fasse poursuivre. À quand un nouveau live karaoké? C'est vrai ça. En vrai, j'hésite à faire revenir les paliers de sub pour ce genre de truc. Je sais pas, on verra. En même temps, je sais pas. What the fuck? Pas l'air bien le petit. Ok, ça valait le coup. Le screamer là m'a pas déçu. C'était drôle. En vrai, c'était pas mal. En vrai, c'était pas mal. Le gamin qui est back quand il pose là. C'était vraiment très mal. C'était vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. C'était très fun. The Witch of Sheldon. La forêt de Sheldon. C'est un peu la forêt de Kelborn. En vrai, c'était très rigolo. Et du coup, c'est Daniel Buckley qui avait fait... Voilà, The Crypt Terror, qui était pas aussi bien. Putain, il a fait plein de jeux, lui aussi. Hein. C'est cool. Très, très fun, The Witch of the Sheldon Forest. Très cool, quoi. Et ça en connexion avec The Crypt Terror. D'accord. Il dit que ça se termine en 15 minutes. On l'a fini bien avant, parce que nous sommes des PGM, tout simplement. Non, vraiment très cool. Il a fait ça aussi, non? Ah ben, c'est exactement ce jeu-là, l'autre jeu. La fin, c'était... Ça m'a fait peur. Il n'arrivait pas par derrière. Exactement. J'ai pas compris ce que c'était, ça m'a fait peur. Voilà, vous avez le Maxime du passé qui confirme le fait que ça fait pire. Soirée spéciale Covid. Ah, parce que j'avais le Covid. Le mot magique était tracteur, maintenant c'est tondeuse. Finalement, on change pas une équipe qui gagne. très bien. Le WD-40 devait être un item dans le jeu, j'avoue. C'est une méthode particulière pour envoyer des astronautes en orbite. En vrai, ça marche bien. Hein. Si tu fais comme ça... T'as tout... Bah après, t'as 5 litres de sang pour voyager, quoi. C'est...
Ça paraît beaucoup, ça devient très vite peu quand ça part de tous tes trous. Mais bon, il faut faire des choix et voilà quoi. Non, pas mal. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc bravo, The Witch of Sherdorne Forest, c'était très cool.